Je bénis le Seigneur en ce jour pour sa présence parmi nous maintenant alors que nous allons ouvrir sa parole et partager ensemble la réflexion du jour. Donc, merci à Dieu, bienvenue à vous et soyez bénis. Notre sujet du jour, il est mort pour nous. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci, merci pour la mort de ton Fils Jésus. Merci pour ce que tu vas nous révéler à travers la leçon d'aujourd'hui. Et merci déjà de ce que ce message va toucher nos cœurs, et que nous allons t'aimer encore davantage, et que nous allons dorénavant te donner toute la gloire qui t'est due, maintenant et pour l'éternité. Alors je te remercie en Jésus de bénir ce moment d'étude, de nous bénir, de bénir ta parole, au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer notre réflexion en lisant Jean chapitre 3 verset 14 à 18. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Romain chapitre 6, verset 23 déclare, Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Maintenant, une question nous est posée. Qu'enseigne ce verset sur ce que la mort de Christ a accompli pour nous? Alors, que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion personnelle à cette question personnelle. Quand Jésus arriva au Jourdain, pour se faire baptiser, Jean-Baptiste s'était exclamé dans Jean 1 verset 29, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette déclaration reconnaissait Christ comme étant l'agneau antitype de Dieu, préfiguré par tous les vrais sacrifices de l'Ancien Testament. Mais les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas enlever les péchés par eux-mêmes. Lisons Hébreu 10 verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il ne donnait qu'un pardon conditionnel dépendant de l'efficacité du sacrifice futur de Jésus-Christ à la croix. 1 Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Relisons maintenant Jean 3, 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors une question. Quel grand espoir pouvons-nous tirer de ces versets, surtout quand vous reconnaissez à juste titre que vous méritez d'être condamné pour avoir commis un péché Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans cette réflexion profonde quant à cette question importante. Chers amis, pensez à ce que tout cela signifie. Jésus, celui qui a créé le cosmos, le monde, Jean premier un à trois, s'est offert pour chacun de nous, un sacrifice pour les péchés, tout cela pour que nous ne soyons pas condamnés pour ce pourquoi nous aurions pu être condamnés à juste titre. C'est la grande promesse de l'évangile. Jésus Christ déclare que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils pour mourir pour nous. Mais nous ne devons jamais oublier que Christ s'est offert volontairement à notre place. Hébreu 9, verset 14 déclare ⁇ Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?⁇ Luther, le grand réformateur, se référait à la croix comme l'autel sur lequel le Christ fut consumé par le feu, de l'amour sans limite qui brûlait dans son cœur, présentant le sacrifice vivant et saint de son corps et de son sang au Père, avec une intercession fervente, des cris forts et des larmes chaudes et anxieuses. Amen. Hébreu chapitre 5 verset 7 déclare C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant prédestiné avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à corps de sa piété. Christ est mort une fois pour toutes. Hébreu 10, verset 10 déclare, C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Et le texte dit, Une fois pour toujours. Hébreu 10, verset 12, Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Mes amis, son sacrifice, donc le sacrifice de Jésus, suffit pour toujours et ne perd jamais sa puissance. Et ce n'est pas tout. Dans le livre au ministère de la guérison, page 88, il est dit, s'il n'y avait eu qu'une seule âme pour accepter l'évangile de la grâce, Christ aurait quand même consenti, pour la sauver, à vivre une vie de labeur et d'humilité et à mourir sur la croix. Alléluia. Je vous invite maintenant à faire un petit exercice. Relisez Jean 3, verset 16, et remplacez les mots le monde et quiconque par votre prénom. Prenons un exemple. Je mettrai donc mon prénom. Car Dieu a tant aimé Lucien, qu'il a donné son fils unique, afin que Lucien croit en lui, et ne périsse point, mais que Lucien ait la vie éternelle. Alléluia. N'est-ce pas beau tout cela? Une question maintenant. Comment pouvez-vous apprendre, instant après instant, surtout lorsque vous êtes tenté de pécher, à faire vôtre cette merveilleuse promesse de Dieu, que le Seigneur par son esprit vous accompagne dans votre réflexion? Mes amis, il y a dans cette parole de Jean 3.16 plus à adorer, à croire, à aimer, qu'à expliquer. Dieu a tellement aimé, cet amour est le principe et la source suprême du salut. Il a aimé le monde, ce monde déchu, pécheur, en révolte contre lui. Il a aimé notre humanité tout entière à laquelle il destinait cette manifestation de son amour. Il a donné, non seulement envoyé, mais abandonné, ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Il l'a livré pour nous tous. Alors, mes amis, Comment ne nous donnera t il pas aussi toute chose avec lui? Alléluia. isaïe 45, verset 22, qui faisait référence à la venue de Jésus, disait, Vous tous les bouts de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés. Cela fait penser à Jean 3, 14, Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ainsi, quiconque croit en lui, remarquez bien ce mot, chers amis, quiconque, donc, c'est individuel. Il est vrai que Dieu est mort pour tout le monde, l'humanité. Mais quiconque croit en lui, c'est le quiconque qui croit en lui qui sera réellement sauvé. Quiconque croit en lui, petits et grands, pauvres et riches, jeunes et vieux, ignorants et savants, les pécheurs invétérés, aussi bien que les autres, tous sont appelés à la gloire céleste par l'amour incompréhensible de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cet amour. Alors en conclusion, cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle s'adresse uniquement à ceux qui se reconnaissent perdus et qui acceptent qu'ils ont besoin d'un sauveur d'amour comme Jésus-Christ. Alors que l'amour de Jésus fait fondre nos cœurs en ce jour et que nous puissions baigner dans cet amour pour toujours dans le nom de Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse, mes amis. Et à demain pour la suite de notre réflexion.